Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bien le bonsoir et bonjour pour vous qui nous suivrez en rediffusion. Cette question vous est destinée, vous qui vous dites intellectuel. Est-ce que c'est avec vous que nous allons construire ce pays que les pères de l'indépendance avaient souhaité beau, prospère? Je pense qu'il nous appartient à nous tous de répondre à cette question. Et c'est important de faire un petit arrêt pour y répondre. Vous avez bien votre parchemin, c'est vrai. Mais est-ce que vous méritez qu'on vous appelle intellectuel? Parce que finalement, l'intellectuel, c'est celui qui regarde sa société, qui l'analyse et qui essaye d'y trouver des solutions. Je vous présente tout de suite mes invités. Je voudrais commencer par l'abbé José Poundou. Monsieur l'abbé, bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour, Jean-Pierre. La deuxième personne, je voudrais que ce soit Modeste Bonigaba. Modeste Bonigaba, bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour, monsieur Kibambi. Et puis, maître Justin Magala, bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour. Modeste Bonigaba, c'est vous qui avez proposé ce sujet. Qu'est-ce que vous est passé par la tête pour le proposer? Ben, je constate qu'il y a une forte demande venant de la base. Parce que la base ne formule pas ses demandes de façon précise. C'est toujours un peu confus. Mais on sent qu'il y a une demande forte qui s'adresse à ceux qui devraient être donc, les intellectuels de ce pays pour leur dire mais il faut des solutions pour faire partir le paradoxe selon lequel le Congo est le pays le plus riche du monde. C'est prouvé maintenant, parce qu'en termes de ressources naturelles, il n'y en a pas deux. En tout cas, la densité. Parce qu'avec 2,345 millions km², ce qu'il y a comme richesse ici, on ne trouve nulle part ailleurs au monde. Donc, comment expliquer que ce pays-là, qui a autant de richesses naturelles, ressources naturelles, se retrouve avec une population la plus pauvre aussi du monde? C'est un paradoxe tout à fait scandaleux et qu'il faut régler. Et donc, cette demande venant de la base, c'est en fait de dire aux intellectuels, trouvez-nous une réponse appropriée pour que ce paradoxe prenne fin rapidement. Oui, voilà. Parce que Luda Bouloulou, dans son livre, a raconté une anecdote, Dieu distribuait les richesses et puis quand il met beaucoup au Congo, on lui demande « Mais pourquoi vous avez mis autant de richesses dans ce pays-là » La réponse était laquelle? Vous avez lu le livre de Luda Bouloulou? Oui, il dit « Mais attendez seulement de voir quels sont les humains que je vais mettre là-bas, alors vous comprendrez pourquoi j'ai été si généreux avec ce pays. » Alors si vraiment nous sommes des intellectuels, et si nous le réclamons comme tel, il faut que cette réponse, la réponse à cette anecdote, nous puissions nous l'approprier pour faire changer les choses. Monsieur l'abbé José Poundou, ce titre, il vous a interpellé, il continue à vous interpeller, parce que vous êtes intellectuel. Bon, il m'a interpellé d'abord par rapport à la question que j'estime être question fondamentale, qui est intellectuel et qui ne l'est pas. Vous y répondez comment? Eh bien, je dirais, je partirai de la manière dont on voit généralement les choses ici, et je présenterai ça sous forme de point d'interrogation. L'intellectuel, est-il celui qui a fait l'université et qui a des diplômes universitaires de tout genre?
Est-il celui qui a des diplômes de maîtrise, de doctorat dans différents domaines scientifiques et dans différentes universités à travers le monde? L'intellectuel est-il celui qui parle bien le français, comme moi j'essaye de le parler, comme nous le parlons ici dans cette émission? L'intellectuel est-il celui qui maîtrise parfaitement l'anglais, l'allemand, l'espagnol et toutes ces autres langues étrangères? Et l'intellectuel est-il celui qui maîtrise la pensée des autres, les maîtres à penser, français, américain, allemand, belge, etc. Lorsque je fais un travail, j'écris un livre, j'écris une thèse, eh bien, je dois citer, pour montrer que je suis un intellectuel, je dois citer tel auteur, je dois citer tel autre auteur, français, américain, et gare à moi si je ne cite pas tel auteur, tel penseur, n'est-ce pas? La pensée des autres, l'intellectuel. Finalement, c'est qui? Ou bien, je dirais, par rapport à toutes ces questions que je viens de soulever, il n'est pas évident que l'intellectuel soit uniquement celui qui répond aux critères que je viens d'énumérer ici en termes de points d'interrogation. Alors, la réponse que je pourrais donner personnellement, c'est que l'intellectuel, c'est celui qui a l'amour des choses de l'esprit. Intellectus, intelligentsia. Donc, celui qui, l'intelligence, l'esprit, hein, eh bien, celui qui a l'amour des choses de l'esprit, n'est-ce pas? Et donc, ici, il y a un problème qui se pose dans notre société et qui est un problème qui remonte déjà à l'époque des philosophes anciens, n'est-ce pas, qui ont créé cette dichotomie entre la matière et l'esprit et qui ont fait croire que l'esprit est supérieur à la matière est inférieure à l'esprit, et donc ça entraînait aussi une division de la société. On a divisé la société à partir de cette vision philosophique entre l'esprit et la matière. Et donc, ceux qui s'occupent de l'esprit, ce sont ceux-là qui sont les êtres supérieurs. N'est-ce pas? Et ceux qui s'occupent de la matière sont des êtres inférieurs. D'où les métiers ont été distingués dans la société, dans l'histoire de la société, à partir de cette vision philosophique dichotomiste, n'est-ce pas? Eh bien, moi, je dirais que si l'intellectuel est celui qui s'intéresse aux choses de l'esprit, c'est en vue de la transformation de la matière. Et donc, l'intellectuel n'est pas celui qui nage dans des spéculations que j'appellerais philosophiques, des spéculations qui n'ont aucune prise sur la vie réelle. L'intellectuel, c'est celui qui est capable de réfléchir de manière critique sur les réalités de la vie en vue d'apporter des améliorations nécessaires aux conditions de la vie humaine, conditions économiques, conditions matérielles, conditions politiques, toutes les conditions de la vie humaine. Et donc pour moi, c'est cela la définition que je donnerais de l'intellectuel. Ce ne relève pas de la langue que tu parles. Une chose, par exemple, que j'ai faite, j'ai fait des études de psychologie, psychologie clinique. Au retour au pays, on me confie un cours de psychologie pastorale à donner à des grands séminaristes. Première chose que j'ai faite, c'est de proposer à la direction du séminaire que je puisse donner mon cours en lingala. Ça a créé beaucoup de remue-ménage, ça m'a valu beaucoup de critiques. Mais non, ces jeunes gens, ils doivent d'abord maîtriser le français. Ils doivent d'abord maîtriser le français. C'est pas le moment. Alors, j'ai quand même réussi à faire accepter, à faire admettre que mon cours de psychologie pastorale soit donné en lingala. Ah bon? Et j'ai donné mon cours au grand séminaire de philosophie Saint-Kagwa. J'ai donné mon cours de psychologie pastorale en lingala. Et ce n'était pas plus mal,
Parce que je me dis, un intellectuel, c'est celui qui est capable de transmettre une pensée dans la langue qui est comprise par ceux à qui il s'adresse. Parce que vous estimiez que les grands séminaristes auxquels vous donniez cours ne pouvaient pas appréhender, ne pouvaient pas saisir ce que vous leur donniez comme matière en français. Non, rien à voir avec ça. C'était une option idéologique. Vous êtes un rebelle. Oui, c'était une option idéologique. D'accord. Je me suis dit, et pour la petite histoire, je me suis dit, eh bien, je m'en vais donner une conférence en Espagne, à Madrid, invité par un congrès de théologie organisé par des gens qui s'inscrivent un peu dans le sens de la théologie de la libération, là même en Espagne, à Madrid. Ils m'ont invité à donner une conférence. Mais la condition qu'ils m'ont donnée, c'est que je donne cette conférence en espagnol. Et moi, je n'avais aucune notion de l'espagnol. J'ai dû me mettre, comme ils m'ont prévenu une année à l'avance, eh bien, pendant cette année-là, j'ai dû me mettre à l'étude de l'espagnol. Et quand je suis allé en Espagne, j'ai tenu ma conférence en espagnol, j'ai répondu aux questions là où je pouvais le faire en espagnol, et j'ai donné des interviews à la télévision, à la radio, en espagnol. Pourquoi ? Parce que j'ai compris que pour eux, la langue est le véhicule de la culture et de la pensée. Et donc, c'est une option idéologique. Lorsque j'ai proposé de donner mon cours en Lingala, ce n'était pas parce que les jeunes ne connaissaient pas le français, ce n'était pas parce qu'ils ne maîtrisaient pas, ils n'étaient pas capables de comprendre les enseignements en français. Merci, mais c'est parce monsieur. Que je voulais entrer dans une autre façon de faire qui puisse montrer qu'un intellectuel, c'est celui qui est capable de donner un cours de physique, un cours de mathématiques, un cours de biologie, un cours de... Je ne sais pas, on vous a bien compris, monsieur. Dans les langues du pays. Merci. Voilà. Maître Magala, après tout ce qui vient d'être dit, vous, quelle a été votre réaction lorsque le titre de cette émission vous a été proposé? Merci beaucoup. Le titre est très interpellateur, il faut le dire, parce que ça nous permet déjà à ce niveau-ci de faire la différence entre les lettrés, les diplômés, l'intellectuel et l'élite. Déjà, on ressort une vérité acceptée par tous, que ce n'est pas l'accumulation des diplômes ou des connaissances qui fait l'intellectuel. Encore faut-il prendre cette connaissance, améliorer, l'explorer sur le plan, je dirais, spirituel, et en faire ressortir des solutions pour sa société. Mmh. Un intellectuel ne peut pas être indifférent au sort de son entourage. Il a des connaissances, oui, mais pas pour les garder pour lui. Il doit pouvoir les mettre à la disposition de la société pour sortir des solutions pouvant intéresser tout le monde. Et comme c'est de l'intellectuel congolais dont nous parlons, je dois rebondir sur ce que M. Mbonigaba disait en introduisant, c'est cet intellectuel-là qu'on ne retrouve pas dans la société, ou pas assez. On a l'impression qu'il y a un territoire, il y a des gens, des dirigeants, et puis plus rien. La société intermédiaire sur le plan psychologique ou spirituel qui devait exister pour aider les dirigeants à conduire ces peuples-là semble faire défaut. Et c'est là qu'on appelle où est l'intellectuel. C'est là qu'il devrait intervenir pour montrer le chemin à suivre et aux dirigeants et aux dirigés. Pour montrer le chemin à suivre et ne pas qu'on stagne dans cette sorte de, je dirais quoi, de cette incompétence collective. Parce que dès qu'on dit Congolais, les gens doutent déjà des capacités. Non, on ne peut pas tous nous mettre dans une moule où il y a cette, ce que j'ai appelé incompétence collective. Non, il faut que les gens puissent sortir de cette marmaille et montrer le chemin à suivre à une population qui le mérite. Est-ce que, une question que je me pose, est-ce que le problème n'est pas déjà au niveau de ceux qui organisent la société? Parce que si vous connaissez les problèmes qui sont les vôtres, vous mettrez plus d'importance et plus de moyens dans le secteur qui est le vôtre. On a toujours chanté
agriculture, priorité des priorités. On le chante, mais dans les faits, on n'organise pas les choses en sorte que cette agriculture soit effectivement au centre, parce que ayant les moyens de sa politique, par exemple. Mais justement, c'est ce qu'on a toujours répété ici dans cette émission, c'est qu'il faut prioriser, je vais me répéter, prioriser les priorités primaires. Et ça, on voit quoi? L'enseignement, l'agriculture, la santé. D'abord, c'est-à-dire que quand un peuple est rassasié, il ne pense pas directement aux mines. Il pense à sa proximité. Pourquoi il y a beaucoup de gens dans les mines? C'est les raccourcis pour avoir l'argent, à n'importe quel prix. Alors que si on commençait par l'agriculture, on sera plus à l'aise quant à l'exploitation d'autres richesses. Et ici, il faut mettre l'accent sur l'éducation. Il ne suffit pas de cultiver. Il faut encore former. Pourquoi? Parce que même quand on est rassasié, mais sans connaissance, ça ne marche pas. Et ici, j'en appelle déjà à la réforme de notre système d'enseignement. Nous avons appris à répéter au lieu d'apprendre à réfléchir. D'accord. Modeste Benigaba. Oui, je crois que ce qui vient d'être dit doit... Il faut que les téléspectateurs comprennent ce que M. Labbé a voulu dire lorsqu'il montre que l'accumulation des diplômes ne suffit pas pour se réclamer du statut d'intellectuel. Parce qu'il y a la dimension morale et éthique qu'il faut toujours accoler à la dimension intellectuelle, de connaissances livresques intellectuelles, comme vous dites. Et ça, apparemment, ça n'a pas été suffisamment dit. Parce que, pourtant, c'est le philosophe Pascal ou Descartes qui disait que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Parce qu'effectivement, nous, aujourd'hui, nous expérimentons cela. Le fait que nous avons, dans les hautes sphères du pouvoir, des gens qui ont effectivement des connaissances dans différents domaines, mais qui ont un déficit énorme sur le plan éthique et moral. Voilà pourquoi, aujourd'hui, on a l'impression que les questions fondamentales, comme celles que j'ai posées dès le départ, pour dire, ce pays qui a tout ce que Dieu a imaginé comme richesse à mettre sur cette terre, se retrouve avec une population la plus parmi les plus pauvres du monde. C'est pas normal. Et que les intellectuels de ce pays ne se mettent pas ensemble pour dire, mais qu'est-ce qu'il faut? Il y a certainement quelque chose qui ne marche pas. En fait, on va à ce moment-là réaliser que dans le cercle des décideurs au sommet, il y a très peu d'intellectuels au sens où nous venons de le définir. Parce que s'ils étaient suffisamment nombreux, là où les choses sérieuses se décident, ils auraient certainement fait pencher la balance du bon côté. Un pays comme les États-Unis a été créé, finalement, les fondateurs sont des intellectuels. Les Jefferson, même les Washington, les Hamilton, tous, c'était des grands intellectuels qui ont créé les États-Unis dans leur esprit déjà. Parce que déjà, au départ, ils disent qu'il faut un grand pays qui soit en progrès continu à l'intérieur, mais respecté à l'étranger. Dès le départ, dans leur constitution, c'est ça la clé. Alors, on s'étonne aujourd'hui que cette nation-là soit effectivement parmi les, si pas la première du monde, c'est parce qu'elle a été pensée avant, projetée dans l'avenir pour dire nous voulons un pays comme ceci. D'accord. Monsieur l'abbé, mais nous, ce n'était pas le cas. Nous, on a créé ce pays pour nous, et puis à un certain moment, nous avons voulu nous rebeller pour participer à la chose publique. Et puis, on nous l'a donné comme ça, pas de gaieté de cœur. N'est-ce pas ça le piège? Puisque, on parlera peut-être tout à l'heure de la corruption, puisque ça commence mal, la Belgique qui nous a cédé l'indépendance, pas de gaieté de cœur, commence par vouloir corrompre Lumumba. S'il a refusé, d'autres
ont été pris à l'hameçon, non? Mais le problème que vous soulevez là, c'est celui dont je viens d'entendre l'écho chez notre ami Modeste. Mmh. C'est la question de l'éthique. La corruption, elle n'est possible que là où il y a une carence morale, une carence éthique. Oui, mais et au donc, début de l'indépendance, monsieur l'abbé, est-ce qu'il y avait vraiment présence d'éthique à l'époque? C'était compliqué. Non, l'éthique, en fait, ne confondons pas intellectuel, dont on parle, eh bien, nous disons, un intellectuel, c'est un être humain qui doit être caractérisé par une certaine conscience morale, et je rejoins ce que Modeste disait tout à l'heure, science sans conscience, c'est la ruine de l'âme, et moi j'ajouterais, c'est la ruine de la société, c'est la ruine de la société. Eh bien, justement, lorsque science ne se marie pas avec la conscience, la corruption trouve un chemin, terrain. Un terrain favorable. Vous voyez ? Trouve un terrain favorable. Si vous donnez l'exemple de Lumumba, bon, je n'ai pas connu personnellement Lumumba, nous en entendons parler. Si on a voulu, les Belges ont voulu le corrompre et qu'il a refusé cette corruption, c'est que quelque part, même s'il n'a pas fait l'université, même s'il n'a pas fait de hautes études, et même s'il n'avait pas des grands diplômes, n'est-ce pas C'est que moralement, il était blindé. Moralement, il était, je dirais, intelligent, vous voyez, c'était un intellectuel, vous voyez, c'était un intellectuel au sens fort du terme, pas au sens, je dirais, courant, où, comme je l'ai dit tout à l'heure, on mesure le statut d'un intellectuel par le fait de parler français ou d'avoir des diplômes de tout genre, pas pour minimiser les diplômes, pas pour minimiser le fait d'apprendre d'autres langues pour entrer en contact, pour créer des relations, avec, pour comprendre la manière dont les autres pensent et tout cela, et éventuellement pour, disons, avoir une réflexion critique sur cela. Mais ce que moi je dirais, c'est que aujourd'hui, notre grand problème, c'est que l'intellectuel congolais, un, pose un problème sur le plan éthique. De deux, j'ajouterai à ces critères moraux la sagesse. Parce que l'intelligence doit aussi se marier avec la sagesse. Celui qui est intelligent, c'est quelqu'un qui est capable de faire une analyse critique. C'est quelqu'un qui est capable de voir clair dans les situations qui se présentent dans la société, mais c'est aussi quelqu'un qui est capable de projeter, de se projeter dans l'avenir et de se poser la question, eh bien, avec la situation qu'il y a, telle que nous l'avons analysée, qu'est-ce que notre société deviendra dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, si nous laissons les choses se passer telles qu'elles se passent. On a posé la question de la pauvreté. Un pays potentiellement riche avec un peuple, disons, misérablement pauvre. Hein? Est-ce que ce n'est pas là aussi un problème des intellectuels? Ben, je crois que c'est un problème de non seulement des intellectuels, mais de l'homme hein, congolais. D'accord. De l'homme congolais, parce qu'il n'a pas encore compris que la première richesse de ce pays, d'un pays, d'une société, c'est l'homme. D'accord. Et l'homme qui fait fonctionner sa tête, l'homme qui fait fonctionner son cœur, et l'homme qui fait fonctionner ses bras et ses jambes. Donc ça veut dire, je réfléchis, j'agis, je réfléchis. La réflexion entraîne l'action et l'action ramène à la réflexion, et dans cette démarche dialectique, eh bien, on peut arriver à progresser en corrigeant éventuellement là où il y a lieu de corriger et en ayant le courage de dire oui ou de dire non là où il le faut. D'accord.
Alors là, on vous rejoint, monsieur Justin Magala, parce que vous avez parlé de l'éducation, de l'école qui est mauvaise. Oui, on doit nécessairement revoir notre système d'éducation. Je disais tantôt que on nous a appris à répéter, à redonner aux professeurs ce qu'il nous a enseigné, et des fois par rétention simple, au lieu de nous apprendre à réfléchir. Si je rebondis sur votre question précédente, vous disiez, et là je tiens à revenir, ce pays tel que conçu au départ n'était pas pour nous. Ils l'ont conçu pour leur exploitation, sans penser à l'homme. L'homme, c'était aussi de la matière première. C'était de la matière première. C'est par la force des choses qu'il y a indépendance. Mais une indépendance non préparée. Et nous, on ne s'est pas assumé pour sortir de la façon de voir des blancs. C'est pour ça que Jean Saint-Saëns dit avant l'indépendance égale après l'indépendance. Parce qu'il n'y a pas d'homme pour prendre la relève. Et quand cet homme arrive, bon, incarné par Lumumba certes, qui, sans grand diplôme, était quand même un intellectuel respecté jusqu'à aujourd'hui, avec ses homologues de l'époque. Mais déjà à l'époque, la corruption s'installe en ramenant l'éducation vers ce que voulaient les Blancs. C'est comme ça que nous connaissons plus l'histoire belge que l'histoire congolaise. On connaît plus ce qui se passe. C'est le pseudo-intellectuel dont on parle aujourd'hui. Quand ils se mettent autour d'une table pour parler politique, tous les exemples viennent de l'Occident. Oubliant que même ça, c'est une façon fausse de voir les choses. Il y a d'autres façons de diriger qui se font à l'Est, qui sont peut-être meilleures que la façon de voir occidentale. Mais nous nous cramponnons dans des citations. Et on a atteint les paroxysmes, je crois, il y a 4 ou 5, 5 ou 6 ans, quand on a vu les intellectuels, comme disait tantôt M. Mbonigaba, par corruption, par manque de conscience, nous amener à des histoires incompréhensibles. Je vous donne un exemple. On a demandé aux chefs de partis politiques de proposer des ministres. Quelqu'un a mis son nom, et puis il a mis un bon juriste pourtant, et puis il a mis une personne fictive. Et on a nommé la personne fictive ministre. C'est-à-dire que lui, il est déjà dans la mauvaise foi de proposer une personne fictive. C'est-à-dire que le Premier ministre a proposé une personne inexistante. Les chefs de l'État a nommé, même les services, personne n'a déjà vu cet homme-là. Est-ce que c'est possible de nommer quelqu'un ministre sans l'avoir vu? Nous en sommes, on a nommé un mort. C'est pour vous dire dans quel contexte on fonctionne. Il disait tantôt, c'est cet esprit de corruption, d'égoïsme. Que les autres meurent pourvu que moi j'avance. Non. Ça, il faut aller ensemble. On doit aller ensemble ou on ne va nulle part. D'ailleurs, c'est Moïse qui le disait dans la Bible. Ou on avance ensemble ou on ne va nulle part. Pourquoi? Parce que on ne peut pas avoir une société coupée en deux. Où on a deux ou trois oligarques et puis tout le monde est ouvrier. Non, ce n'est pas normal. Il faut qu'il y ait des gens qui soutiennent l'État et ils doivent présenter une certaine conscience nationale. D'accord. D'accord. Votre réflexion en quelques mots et puis on évolue. Oui, je crois que ce que Maître Magala vient de dire, il faut que tout le monde comprenne à quel point c'est important. Parce qu'effectivement, ce pays a été créé, pas par nous. Nous l'avons hérité de la manière que l'on sait. Et on a donc oublié une phase importante, fondatrice, celle de l'appropriation. On ne s'est jamais approprié ce pays. Parce que si on s'était déjà approprié ce pays, la première chose qu'on fait lorsqu'on est propriétaire, c'est de dire, voilà, je vais choisir les meilleurs sur la place des fils et des filles du pays pour les gérer. C'est la première démarche. Or, aujourd'hui, la preuve est donnée que nous laissons n'importe qui se faufiler pour devenir décideur en notre nom, en notre nom. Donc, manifestement, cette phase en amont qu'il fallait d'abord
s'approprier, nous l'avons escamoté. C'est pour ça aujourd'hui nous avons des gens qui sont, comme on dit, des clowns en cravate, à la tête du pays, dans certains secteurs clés du pays. Parce que nous avons perdu de vue que l'appropriation par le peuple de son patrimoine impose que ceux qui vont le gérer en son nom soient certainement les meilleurs de ses fils et filles. Oui, mais Modeste, je vous pose cette question. Ce pays, vous l'avez décrit comme étant riche, c'est vrai, il est riche. On l'a créé à notre place, on nous l'a cédé de la manière que l'on sait. Est-ce que nous ne devrions pas nous attendre à tous ces pièges? On ne vous donne pas un pays aussi riche sans être derrière pour vous dicter des choses. Mais raison pour laquelle il faut donc entrer dans leur jeu. C'est dit, voilà, eux, ils nous ont piégés. Voilà. Comment on fait pour sortir de ce piège? C'est ça la réflexion que l'intellectuel est appelé à mener. À mener, tout à fait. Tout à fait. Regardez aujourd'hui, nous lisons tous les réseaux sociaux, Monsieur Labbé aussi. Il y a des réflexions qui viennent d'un peu n'importe qui. N'est-ce pas la preuve que l'intellectuel n'est pas là? Parce que n'importe qui voudrait prendre sa place, donner des réflexions farfelues, parce qu'il a démissionné, parce qu'il est occupé à faire autre chose, il est occupé à chercher de l'argent, à satisfaire son ventre. Non, monsieur l'abbé? C'est justement le point de départ de ce que j'ai dit. L'intellectuel, l'homme de l'intelligence, l'homme de l'esprit, qui ne met pas de côté la matière, bien entendu. Il peut chercher de l'argent, parce que l'argent, c'est un moyen matériel. Mais il le cherche en vue de quoi? Et c'est là qu'intervient l'esprit. C'est là qu'intervient l'intelligence. C'est là qu'intervient l'éthique, la morale. C'est là qu'intervient la sagesse. Elle est absente, l'éthique? Eh bien, elle est souvent absente. Et c'est ce qui fait que nous nous retrouvons dans la situation où nous sommes. Parce que souvent, l'éthique est absente. Le grand problème, un des grands problèmes, à mon avis, un des grands problèmes dans notre monde, je ne dirais même pas seulement dans notre pays, dans notre continent, mais dans notre monde, c'est le problème éthique. Est-ce que le capitalisme est éthique? Le capitaliste est-il éthique? Lorsque nous voyons qu'il est capable de tuer l'homme, n'est-ce pas, pour l'argent. Alors, maintenant, le deuxième élément, c'est l'élément de l'identité. L'identité. Nous avons un problème d'identité. Comment voulez-vous que nous nous approprions notre pays si nous ne nous sommes pas d'abord approprié notre identité? Si nous n'avons pas encore reconnu notre vraie identité, d'identité d'abord d'être humain, ça c'est la première chose. Nous considérons-nous comme des êtres humains? Considérons-nous les autres comme des êtres humains? Et une fois que nous avons retrouvé cette identité fondamentale humaine, en ce moment-là, nous pouvons dire le Congolais. Est-ce que nous avons, nous nous sommes approprié notre identité congolaise, n'est-ce pas, dans l'ensemble, ou bien nous sommes un amas de tribus, un amas d'ethnies, un amas de groupes politiques ou sociaux, n'est-ce pas, religieux et tout ça, et bon, chacun défendant sa petite boutique, mais la conscience d'avoir une identité commune. L'identité commune est un problème de fond. D'accord. Monsieur l'abbé, celui qui a dit « Homo homini lupus » n'est pas congolais. L'homme est un loup pour un autre homme. Donc ça date de...
Oui, ben, ça date de... C'est la raison pour laquelle ce que nous sommes en train de dire ici ne concerne pas uniquement le Congolais. Il serait faux faire croire que l'élite intellectuelle ou l'homme intellectuel, la question de l'intellectuel, où es-tu, n'est-ce pas, ne concerne que l'intellectuel congolais, mais ça concerne aussi les intellectuels à travers le monde. Oui, mais chez nous, nous sommes impardonnables dans la mesure où nous avons hérité d'un pays immensément riche et que nous le gérons de la manière que... Est-ce que nous le gérons? Est-ce que nous le gérons? C'est très important, hein, parce que si nous le gérions réellement, peut-être que cette pauvreté que nous constatons chez le peuple n'existerait pas à cette hauteur-là, vous voyez, si nous le gérions réellement. Où nous sommes gérés, comme je l'ai entendu Justin dire tout à l'heure, nous sommes pensés, nous sommes gérés, et nous reproduisons des modèles, des modes de pensée ou de gestion qui ne sont pas nécessairement favorables à notre épanouissement et à notre développement. Il ne reste plus que 15 minutes... Justin Magala. D'accord. L'absence d'éthique dont on parle, mais c'est vrai, dans des modèles de gestion copiés, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que l'histoire des assemblées provinciales, gouvernement provincial, ça marche? Non. On est en train de perdre. On ne peut pas condamner un gouverneur. On dit, après 4 mois, il doit partir parce qu'il gère mal. Il n'a même pas présenté un budget, il n'a rien. Il gère mal quoi? Parce qu'il n'a pas encore commencé. Est-ce que c'est bien pensé? Je ne crois pas. On doit pouvoir adapter. Et c'est dont parlait M. Mbonigaba tout à l'heure sur cette absence d'éthique. Vous verrez que dans toutes les rébellions orchestrées à l'Est, menées par les Rwandais, les Ougandais, il y a un Congolais toujours qui se présente à la tête. Toujours il y a un Congolais. C'est-à-dire que nous sommes à ce point de déniement que pour pouvoir se placer politiquement, on est prêt à laisser mourir les gens. Oui. Ce n'est pas normal. On peut être même chef d'une rébellion. On est chef d'une rébellion sans en maîtriser les tenants ni les aboutissants. Donc, en porte-à-faux, mais on se présente comme tel. Pour avoir un peu d'argent. Ce n'est pas normal. Il n'y a pas que ça. Quand M. Labbé dit qu'on ne gère pas les pays, mais c'est vrai. Prenez l'exemple. Aujourd'hui, avec toutes les richesses que nous avons, on n'en connaît pas les dimensionnements. On ne sait pas dire quelles réserves nous possédons. Ce n'est pas normal. Pour pouvoir mesurer, parce que ce sont des richesses épuisables, on doit pouvoir se dire que c'est notre pays, voici, c'est, en matière de cuivre, nous avons autant de réserves. Pour le pétrole, nous avons autant. Pour ceci nous amènerait à quoi? À savoir comment exploiter. Si on dit que cette année, on va faire 80 000 tonnes de cuivre à vendre à tel pays ou à tel pays. Pour faire ceci avec objectif. Non, là, on est en train de finir l'année. Il n'y a pas d'état généraux pour définir les priorités. Comme M. Labbé a dit, nous voulons aller où dans 20 ans? Donc nous devons pouvoir planifier. On dit, pour la forêt, on va faire ceci, on va couper 10 000 arbres, pour les donner à la forêt le temps de se régénérer. Mais on ne peut pas être en train de couper, on ne sait pas qu'est-ce qu'on exporte, ça passe par où, dans quel objectif? Non, c'est là, dans ce sens qu'il dit qu'on ne gère pas les pays. C'est-à-dire que nous subissons. Même les prix sont fixés à l'extérieur. Et ça, ce n'est pas un fait de hasard. Parce qu'on a, dans l'émission d'il y a 2 mois, on a prouvé que le Botswana, avec autant de tonnes de diamants dont il disposait, il transforme sur place et il vend sur place. Il ne dépend pas de la bourse de Bruxelles. Je suis désolé. Donc, c'est faisable en Afrique. C'est à nous de gérer notre pays. Et ça, ça passe par des états généraux sectoriels pour dire... Définissons dans chaque domaine la politique à mener. Mais l'intellectuel pour mener cette réflexion est où? On estime aujourd'hui que ce n'est pas une priorité. Non, c'est ça la priorité. Par là qu'il faut commencer. Oui, donc ça nous ramène toujours à cette question centrale. Comment faire pour nous approprier d'abord notre passé et notre devenir? Parce que c'est la condition. Il faut d'abord que nous puissions nous approprier notre passé pour que nous puissions nous projeter dans l'avenir selon cette vision-là où nous savons que nous avons autant de milliards en cuivre,
autant en cobalt, autant en ceci. Comment faire en sorte que, parce qu'effectivement ces ressources s'épuiseront un jour, comment faire en sorte que le jour où ça va s'épuiser, nous puissions continuer à fonctionner parce avec que, des fonds souverains. Avec un fonds souverain, avec d'autres sources de richesse, parce que ce n'est pas seulement dans les matières premières qu'on a la richesse. On a vu qu'il y a maintenant d'autres sources plus importantes d'ailleurs. Donc à nous de d'abord nous approprier ce qui existe, ce que nous avons hérité, sans vraiment être des héritiers, pour que nous puissions nous projeter dans l'avenir en sachant ce que nous voulons faire. C'est à ce moment-là qu'on va découvrir que l'éducation et la recherche doivent être repensées pour l'adapter justement à cette nouvelle ambition. D'accord. Je vous pose une question très ridicule. Par exemple, aujourd'hui, le sommet sur l'environnement a capoté, les grands pays. Et si nous faisions un petit chantage en disant nous sommes le deuxième pays poumon du monde, si vous ne nous donnez pas autant, ben alors nous vivons comme nous voulons, nous brûlons la forêt. Ce serait idiot. Ben parce qu'aujourd'hui, ce sont les rapports de force. Là, nous tenons là un piège que nous pouvons tendre au monde. Non, ridicule. Ben, je pense que c'est... Bon, c'est suicidaire pour tout le monde. Peut-être, mais je crois que la solution ne réside pas dans ce genre de décision, comme tu as qualifié cela, suicidaire. Mm-hmm. Hein. Je crois que à la question que nous nous sommes posée au départ de cette émission intellectuelle, comme on l'est, où es-tu, il faut préciser où es-tu dans la réflexion, où es-tu dans la planification, où es-tu dans l'exécution, où es-tu dans l'évaluation. Voilà. Un intellectuel, il doit être là où on réfléchit, il doit être là où on planifie, il doit être là où on exécute, et il doit être là où on évalue ce qui a été fait. Et cet ensemble-là, eh bien, je dirais, la question qui devrait se poser, intellectuel congolais, où es-tu dans la créativité, dans l'inventivité, n'est-ce pas ? Troisième catégorie de questions, l'intellectuel congolais, où es-tu dans la lutte pour la libération de l'esprit et de la société ? Parce que c'est là où se jouent les choses. D'accord. Hein, quand on dit que nous devons nous approprier notre pays, nous devons nous approprier notre terre et tout cela, ça suppose que nous devons nous libérer de certaines pesanteurs, d'une certaine volonté de mainmise, de faire main basse sur notre pays que nous vivons depuis 1885. Je vous coupe la parole, je la passe à Maître Magala parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Oui, moi, contrairement à M. Labbé, moi je pense que c'est une voie de sortie pour la forêt dont on parlait. Mais comment ? Est-ce qu'on a quantifié ce qu'on va... C'est déjà ça, le problème. S'il faut le poser en ces termes-là, est-ce qu'on a quantifié? Est-ce qu'on a comparé avec le Brésil? Est-ce qu'on a su comment le Brésil a négocié pour arriver à être payé à ces niveaux-là? Vérifiez dans les délégations que nous envoyons au COP. Mais c'est chaque année qu'on change de délégué. Quand ils arrivent là-bas, au lieu de... Une bonne partie, ils ne sont même pas partis d'ailleurs. Donc, hein? c'est très compliqué. La quantification déjà pose problème à ces niveaux-là. Mais pour aller plus loin, je voudrais interpeller les gens qu'on voit un peu, c'est que l'absence d'éducation au niveau des cadres nous coûte. Prenez l'Afrique du Sud. Il a commencé avec Mandela et puis Thabo Mbeki, qui a été défenestré au profit de Zuma, qui n'a aucun profil intellectuel. Mais vous voyez dans quel état il a laissé l'Afrique du Sud. Ça, c'est quand il y a de l'amateurisme au niveau et de la population qui fait partir Thabo Mbeki pour Zuma. Et j'ai déjà dit ici sur le plateau, Zuma a 45% des gens qui ont voté pour Zuma, c'était parce qu'ils savaient danser. C'est comme ça qu'on réfléchit. Ah, Abina Akitoko, ce n'est pas normal. Ça ne suffit pas. Autant la bonne foi ne suffit pas, il faut certaines qualités pour... Certains critères pour désigner celui qui doit prendre... Oui.
Oui, donc manifestement, on se rend compte que tout nous ramène à cette libération mentale. Nous sommes encore colonisés mentalement, nous sommes toujours dans l'extraversion en tout, de sorte que les décideurs ne s'évaluent pas lorsqu'ils s'auto-évaluent en fonction de ce que le peuple, celui qui est censé être le patron, qu'est-ce que le peuple va penser de ceci? Parce qu'effectivement, le peuple aussi, c'est un peu ça aussi le mauvais côté de la chose, c'est que le peuple lui-même aussi ne sait pas que c'est lui le propriétaire. Parce qu'un propriétaire conscient ne se comporte pas comme notre peuple se comporte. Donc il y a un travail à faire, comme l'a dit M. Labbé, pour libérer l'intelligence. C'est comme ça que le professeur Malou parlait de la révolution de l'intelligence. Je crois qu'effectivement c'est de cela qu'il s'agit. De sorte que le peuple ouvre les yeux et devienne enfin conscient que c'est lui le patron, parce que l'intellectuel aura montré comment on transforme le peuple en vrai peuple gendarme, j'allais dire. Mmh. Et c'est ce qui manque aujourd'hui. Mais pour créer un peuple gendarme, il faut le former et consacrer beaucoup de moyens pour dans la formation, sinon il continuera à nous voter. On ne forme pas le peuple. Pourquoi est-ce qu'on ne l'informe pas suffisamment? C'est pour le maintenir dans une certaine ignorance crasse et le maintenir dans la servitude, l'asservir, n'est-ce pas? Et au bénéfice de qui? Au bénéfice de ceux qui jouissent, n'est-ce pas, des ressources de notre pays. Alors, c'est là où je crois que la grande révolution que nous devrions mener dans notre pays, c'est de la révolution de l'esprit. Mentale, de l'esprit, la révolution de l'intelligence et j'ajouterais la révolution du cœur. D'accord. Parce que c'est ça qui nous manque le plus. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, cette émission se termine là. La recommandation, c'est laquelle? Je crois que c'est celle qui est bien simple. Ouvrez les yeux, ouvrez l'œil, puisque je parle à chacun de vous, et le bon. Ce pays, il vous appartient. Informez-vous, si on ne vous informe pas, afin que vous puissiez, le moment venu, faire de bons choix. C'est le moins que je puisse vous en dire après tous ces orateurs. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.